Si c'est Sorax, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Minecraft. Et pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va s'occuper de faire de parler de la mer, excusez-moi. Donc je vais me faire un atelier, ça va me permettre tout simplement de vous montrer comment on fait un bateau. Alors un bateau c'est bien simple, c'est comme un Minecraft mais avec du bois. Et vous voilà avec un bateau. Comment fonctionne le bateau? Le bateau, vous le mettez sur l'eau et voilà, vous pouvez vous balader sur la mer à une vitesse assez faramineuse. Mais le petit souci du bateau, regardez, déjà il a du mal à tourner, c'est celui-là. Voilà, il se casse quand vous le cognez contre une surface comme le sable ou la terre. Mais si vous vous rappelez bien, hier je vous ai parlé du sable qui permettait de ralentir. Alors regardez, est-ce que je l'ai sur moi? Voilà, là sous le sable, le sable des âmes. Et regardez, on va faire ça comme ça. Vous voyez, ça m'a ralenti. Donc en fait, le sable des âmes permet tout simplement de ralentir le choc du bateau. Donc regardez, je vais vous en refaire un. Voilà, un nouveau bateau. Et quand on le met sur l'eau, regardez, hop, on est parti par là-bas. Voilà, et après regardez, quand on fonce à fond la caisse sur la sous-scène, voilà ce que le bateau va faire. Il va se coincer. Et donc il va rester là et ne s'en ira pas au large. Autre petite chose, je ne sais pas si j'ai du fil sur moi. Je n'en ai pas, donc ça c'est quand même quelque chose qui est dommage. Je vais aller en chercher. Hop. Donc je vais me faire une canne à pêche et je vais vous montrer qu'on peut pêcher dans Minecraft. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique, je trouve. Et le jour se couche déjà. C'est vrai que quand on merdouille à essayer de faire fonctionner Fraps. Hop. Est-ce que j'ai un coffre ici? Non. Il serait bien que je puisse trouver de quoi me faire à manger. Une canne à pêche. Alors si je me rappelle bien, c'est dans ces environs-là. Ah, on a un truc qui brûle par là-bas. J'espère avoir du fil, sinon j'espère, je couperai la vidéo et je vous le mettrai en multijoueur pour vous montrer la canne à pêche. Est-ce que j'ai du fil? Ah, j'en ai 15, c'est pas assez. Bon, eh bien, on va se retrouver sur le serveur multijoueur. A tout de suite. Alors, on se retrouve sur le serveur multi. Je vais dire bonjour à tout le monde. Donc je vais vous montrer rapidement comment faire une canne à pêche. Donc j'espère avoir du fil pour vous montrer. Hop. Alors, est-ce que j'ai du fil dans mes coffres? Vous voyez que j'ai des coffres bien remplis. Hein. Bon, j'ai pas de fil. Donc je vais vous montrer avec... Je vais me faire des bâtonnets, je vais vous montrer comment on fait avec du fer. Voilà, je fais un petit peu de bâtonnets. On va les laisser parler. Hein. Donc hop, ensuite on fait comme ceci pour faire une canne à pêche. Et puis ça, vous imaginez que c'est du fil et vous le mettez comme ça. Et vous avez votre canne à pêche qui est faite. Ensuite, quand vous avez votre canne à pêche,
vous la mettez dans votre inventaire et on va regarder ses propriétés. Alors, oui, abonnez-vous à ma chaîne. c'est vraiment pas pratique hein, quand on parle. Pour ceux qui ont vu les quelques vidéos sur StarCraft, dès qu'on parlait en live, et bah, j'avais du mal. Hein. Donc, vous faites comme ceci, hop, votre hameçon va super loin. Vous attendez un petit peu, normalement il devrait s'enfoncer. Hop, et vous avez un poisson. Un gentil poisson. Alors, est-ce que je l'ai sur moi ou est-ce qu'il a volé? Il a volé, donc il est dans l'eau, hein, on l'a entendu tomber. Enfin, vous pourrez le ramasser, c'est pas un problème. Ah, il est là, voilà, je vais le ramasser. Vous voyez, je suis OP hein, sur le serveur, donc je peux faire ce que je veux. Et vous voyez, j'ai mon poisson qui est juste ici, et on peut le faire brûler pour avoir du poisson cuit. Après, au niveau de la mer, il y a là il y a de la glowstone, normalement il n'y en a pas, mais des fois vous pouvez trouver des cavernes au fond de la mer, donc j'ai pas trop m'y aventurer parce qu'on ne voit pas grand chose, mais vous pouvez trouver des cavernes sous-marines et c'est souvent là qu'on trouve les choses les plus rares, comme du diamant ou de l'or. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Non, ça va. Donc, bah, je crois que j'en ai assez dit sur sur la mer. C'était un petit tuto rapide. Et donc, je vous dis au revoir. On se retrouve demain pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Je tiens aussi à dire que si vous avez si vous n'avez rien à faire demain, lundi, excusez-moi, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez venir dans le petit village au nord qui s'appelle Cassel. Il y a le carnaval de Cassel, c'est un grand carnaval de Pâques. D'ailleurs, je vous souhaite une joyeuse Pâques à tous. Et oui, c'est ma fête, la fête des cloches. Et je vous dis à très bientôt, peut-être sur le serveur, hein, on recrute toujours. Ou bien pour une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir. Petit bonus de fin pour la vidéo qui vient d'être tournée. Hop, on est sur le Eden Kart fait par Landrael. Hop. Donc voilà. Partie souterraine. Hop, on remonte. Et c'est fini. Bon bah ça a été rapide au moins. Ça va pas être un bonus qui va être trop long. Et donc bah je vous dis à la prochaine fois. Hein.